À la Chambre des députés, devant l'importance du débat et des interventions de certains groupes d'opposition, le gouvernement, craignant de ne pas obtenir la majorité, pose la question de confiance. Interpellation à la Chambre, le président du Conseil répond. Alors, messieurs, messieurs, un peu de calme. La parole est à monsieur le président du Conseil. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient, qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers, l'autre fois, achetaient des mines à Djelidzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi nègre. Le président est un film qui vous entraîne dans la vie d'un homme politique, dans la vie privée d'un être propre, intègre, honnête. Les boules, ça se joue à la main seulement. Oui. Ah non, non, mais pardon, pardon, c'est une question de convention. Ah, oh, enfin, comment peut-on être si honnête dans la vie et si malhonnête au jeu? Mais c'est pourquoi je joue, ça me détend. Dites-vous bien, Milan, que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une république à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye, la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. Monsieur le Président, si ça vous dérange pas, j'aurais besoin de mon après-midi. Encore ? Pourquoi faire ? Ma grand-mère est malade. Menteuse, coureuse. Et vous lui passez tout. Bien sûr que non, mais elle témoigne d'une imagination délicate. D'un certain culot, oui. Non. Le culot aurait été de me dire, monsieur le président, j'ai besoin de mon après-midi pour aller me faire sauter. Ah, quoi, vous me parlez de culot, le culot, c'est ça? Il dit n'importe quoi. C'est l'apanage de l'opposition. Dis-moi, François, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Oh, bah... Eh ben, je vais te le dire, tu seras gardien de musée. J'y ai pensé au début, c'est vrai, quand on s'est installé. Et puis, j'ai eu ma congestion pulmonaire et je me suis dit, t'attendais la mort de ton patron, c'est le ciel qui te punit. Et dire que pendant des années, vous m'avez dépeint Émile comme un rustre. Comme un rustre, oui, mais jamais comme un imbécile. Vous ne trouvez pas. Ma chère amie, Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis sûrement pas. Il paraît qu'on ne peut pas trouver Wagner exquis. Alors, qui peut-on trouver exquis, je vous le demande? Mozart ou Tino Rossi? Avec le président, le metteur en scène Henri Verneuil donne au cinéma international l'un de ses plus beaux films.